Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine, votre dernière semaine de février, du 24 au 29 février 2024. Voilà, on y va, vous allez vous poser une question très très précise, je vais essayer d'y répondre. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, tous les soins que je vous propose. Je vais vous dire franchement, là, il me reste 3-4 places, hein, pas plus, hein, d'accord? On partira, donc vous revenez vers moi, vers le 9-10 mars pour avoir un rendez-vous au moins à partir du 15. Ok, allez, on y va. Posez-vous une question. N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo vous parle surtout. Allez, ça réfléchit. J'adore quand ça réfléchit, moi. Demandez aux anges. Il y a des relations profitables qui arrivent pour vous. Gardez confiance en vous. Vous êtes enfin prêt ou prête. Dans un avenir rapproché. Il y a vraiment, dans un avenir rapproché, des relations profitables qui arrivent vers vous. Gardez confiance et demeurez surtout positif. Positive. Je sens que vous êtes prêt. Hein. Parce que c'est le moment idéal. Parce que c'est le moment idéal. Si vous avez attendu, c'est parce qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous. Je ne sais pas quelle est votre question. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Le tarot psy du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tarot psy du cœur pour votre dernière semaine de février? Donc, allez écouter la lune. Hein, la lune, elle va piquer. Je ne vais pas vous le cacher. Elle pique déjà, d'ailleurs. Voilà. Et puis on se retrouvera le premier pour recommencer vos vidéos. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire que de vous lâcher. Je vous dis franchement, je suis archi bouquée là. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette dernière semaine? Il est temps de vous ouvrir, il est temps de sortir de vos peurs à l'intérieur de vous. Il est temps d'ouvrir les yeux parce que là, vous refermez, vous refusez d'ouvrir les yeux. Votre chakra du plexus solaire est complètement embourbé. Il est temps de passer à autre chose, afin de sortir de vos peurs à l'intérieur de vous, de votre torpeur même, on me dit. Refusez d'ouvrir les yeux, vous attendez des résultats, vous êtes dans l'attente des résultats. Mais il n'y a pas de résultats à attendre. Il n'y en a pas. Là, vous êtes impuissant et impuissante sur une situation. Vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Vous êtes en repli sur vous-même. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps aussi de prendre soin de vous. Il est temps de guérir aussi sur énormément de choses. Vous avez déjà trop donné. Il est temps de prendre une décision, de prendre des initiatives. Il est temps de vous guérir. Il est temps d'être... C'est fini d'être acteur ou actrice de votre vie. Il est temps de guérir réellement d'être, et excusez-moi, lapsus. Il est temps d'être acteur et actrice de votre vie. Il est temps de sortir du spectateur et spectatrice de votre vie. Il est temps de guérir. Enlevez-moi ce voile, enlevez-moi tout cela. Peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau du chakra racine, pour certains ou certaines. Chakra racine, c'est quoi? C'est tout ce qui est problème gynécologique, homme ou femme, d'accord? Et ça peut être aussi tout ce qui est familial. On me dit que là, vous avez besoin qu'on vous tende la main afin de pouvoir vous réparer. Il est temps aussi de couper des chaînes, de couper des liens importants. Il est temps de trancher une situation importante. Arrêtez de reconsidérer quelque chose en permanence, en boucle dans votre tête. D'accord? Vous avez bien vu que vos efforts, ils ont été voués à rien. Il est temps de dire, d'ouvrir votre bouche, de dire des choses afin de reprendre votre plein épanouissement. Il est temps aussi de vous renforcer avec la lumière. Allez écouter la lune, hein, les compis, les machins, les trucs. Hein. Du rituel. Sur ma page communauté YouTube.
Ok, pour certains ou certaines, on me parle d'autre chose. Peut-être que vous avez retrouvé un plein épanouissement. On me dit que vous êtes en renforcement avec la lumière et peut-être qu'il y a un renforcement dans une situation sentimentale. On me dit laissez-vous porter, vous ne posez pas trop de questions par rapport à cela. Parce que de toute façon, vous l'avez bien mérité. La récompense, elle est bien là pour vous. D'accord? Ouvrez bien les yeux, si vous ne l'avez pas encore. Ouvrez bien les yeux. Chakra du cœur, chakra le troisième œil. Ouvrez bien les yeux. Vous serez récompensé. Vous le méritez de toute façon. Et à ce moment-là, pour certains et certaines, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et déployer vos ailes. Parce qu'enfin, les choses vont bouger sentimentalement. On dit garder confiance en vous. On l'avait hein, dans votre question, hein, si ça vous parlait. Hein. Pour l'instant, vous avez maîtrisé votre petit cœur, vous avez enfermé votre petit cœur, mais là, vous êtes prêt ou prête à l'ouvrir. On parle de joie, de stabilité qui arrive vers vous. On me dit que là, vous étiez trop sur le contrôle de vos émotions. On me dit qu'il est temps de prendre une décision. On me dit que ça fait longtemps aussi que vous observiez des choses. Ben, l'observation va payer, hein, parce que vous partez sur un nouveau commencement avec un énorme rayonnement. Avec le chakra racine, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez besoin de vous changer les idées parce que là-haut, ça tourne en boucle. On me dit que vous cherchez une réponse à une question. Je pense que j'ai répondu. Je vais dire direct. Hein. La réponse à votre question que vous cherchez, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'enfin, je vais rencontrer la vraie personne? J'en ai marre d'être seule. J'en ai réellement marre d'être seule. Donc, tout ça vous met en conflit à l'intérieur de vous. On me dit laissez-vous guider. Vos rêves vont devenir réalité. Bon. Ok, sortez de vos peurs. Hein. Après, bon, pour certains ou certaines, je peux comprendre parce qu'il y a une terminaison à quelque chose et d'autres, il y a une ouverture sur quelque chose. En gros, c'est comme ça que je le vois, à moins que ça soit passé et présent. Allez, nous allons prendre celui-ci. Je crois que c'est la main intuitive. Allez, un message en 9 cartes. Excellent. Tout concorde, de toute façon. Ok, on va continuer parce que je n'ai pas pu faire 9 cartes, là, c'est pas possible. On me dit que pour certains ou certaines, vous voulez un nouveau commencement, vous voulez une renaissance, vous voulez une régénération. Vous voulez avoir de nouvelles relations dans votre vie, d'accord? Pour certains ou certaines, peut-être depuis cet été, ou il y a 3 mois en arrière, d'accord? Ou dans 3 mois, hein, vous allez devoir faire un choix. Pour partir, un choix, une décision à prendre très très importante. Parce que là, vous avez envie d'aller chercher votre propre futur. Vous êtes dans la détermination, vous allez être ferme sur vos vraies convictions. Ce que vous voulez, c'est un vrai ancrage, d'accord? Par rapport à votre propre foyer, par rapport à votre santé. Pour l'instant, non. La porte, elle est fermée, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas encore libéré de quelque chose. Vous ne reprenez pas encore votre liberté. Vous êtes en plein questionnement pour que les choses bougent, d'accord? Et vous ne savez pas à quel moment ça va bouger. Vous avez juste besoin, pour l'instant, de reprendre votre équilibre. On continue. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Eh bien, on a les deux, hein, l'homme, femme. Je crois que chacun de votre côté, vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Et on me parle aussi de guérison. Vous avez besoin de vous guérir. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de lâcher prise, de relâcher la tension. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes financiers entre l'homme et la femme. De femmes, deux hommes. Hein. D'accord, il n'y a pas de féminin masculin. Hein. Ouais. Là, vous êtes en train de miser sur la chance. Vous avez besoin de prendre des risques.
Oui, vous avez besoin de prendre des risques afin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie pour sortir votre déception actuelle parce que vous avez été trop naïf ou trop naïve. Et heureusement que l'univers vient à vous afin d'abandonner les liens du passé, afin de pouvoir reprendre votre propre liberté, afin de reprendre votre liberté d'âme aussi, afin de prendre votre nouvel envol tout simplement. Waouh! Très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. J'ai pas assez de place en matin. Allez, on y va. Le retour. Retour à l'instabilité émotionnelle et physique pour certains ou certaines. Et c'est bien. Il y a un retour à l'instabilité émotionnelle et physique. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez à nouveau dans l'échec. Vous essayez de faire des compromis, des négociations, des conciliations pour reprendre vous-même votre équilibre, mais vous n'y voyez pas clair. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous n'avez aucun projet dans votre tête, ou alors vous ne les voyez pas arriver. Non. C'est pas que vous ne les voyez pas arriver, c'est que vous n'avez aucun projet dans votre tête. Parce que là, il y a c'est colère sur colère, c'est dispute sur dispute, c'est hurlement sur hurlement, c'est waouh. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie d'enfance qui va revenir vers vous. Qui va vous faire du bien à votre petite santé. C'est une personne qui est à longue distance de vous, géographiquement. Ou alors c'est une personne qui a pris de la distance depuis longtemps. Cette personne fait son retour, le boomerang. Suite à une séparation. Il y a bien eu une séparation entre vous deux. Ça peut être la distance, ça peut être... Bah, chacun fait sa vie de chacun de son côté. Hein. On me dit que vous allez reprendre votre tranquillité. Et que vous allez partir sur une renaissance. Tout ça a pris déjà énormément de retard. Mais enfin, c'est le moment. C'est la grande victoire. Ok. Chaque oracle parlera différemment. Si ça vous parle, abonnez-vous. Si ça ne vous parle pas... C'est pas un message pour vous. Allez, on y va avec celui-ci. Ben oui, normal. Avec celui-ci, si vous préférez. Ça, c'est ma carte de renaissance pour moi. Ok. Ok, là, vous examinez quelque chose qui vous met en colère. Très, très, très en colère. Alors pour certains ou certains, j'ai des informations. Pour certains ou certaines, ce que vous examinez, ce qui vous met très très en colère, ça peut être professionnel, d'accord ? Parce que vous aimiez ce que vous faisiez, il s'est passé quelque chose. Hein. Vu ce que je peux voir, c'est peut-être 6 mois en arrière. D'accord ? Il s'est passé quelque chose. Les choses ont pris énormément de retard. On me dit que vous êtes senti peut-être fragile, très fragile. On peut me dire autre chose. Peut-être que vous êtes très, très en colère par rapport à une réparation, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Pour aider, d'accord ? Alors, vous l'avez fait avec amour, hein, il y a 6 mois en arrière, ça a pris du retard. Peut-être que vous avez été trop naïf. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à votre couple. En ce moment actuel, si vous êtes en couple, vous avez besoin de prendre un nouveau souffle. Vous avez besoin de discuter en famille parce qu'il y a une perte de quelque chose. Une perte amoureuse, hein. Pour ceux qui sont en couple, là, vous avez besoin d'un second souffle. Hein. On parle d'une perte amoureuse, hein. À la lune. Ah, ok, excusez-moi, ça peut être aussi une perte d'enfant. Je suis désolée, moi, je dis ce que je vois. Hein.
ou peut-être la perte d'un projet aussi. Ou peut-être que vous allez recevoir un message d'une femme qui vient de perdre son bébé. Ou une perte carrément dans la famille. Donc ça peut être un enfant qui a perdu sa mère, ça peut être une mère qui a perdu son enfant. On dit que ça a été rapide. On dit que là, il est temps de faire un choix. Mais là, le choix, c'est compliqué pour vous. C'est très, très compliqué. La situation est très difficile à vivre. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Et pourtant, non, il y a une renaissance pour vous. Ouais, on a la renaissance. Hein. On parle d'une renaissance pour vous. Vous vous posez mille et une questions, vous êtes dans le point d'interrogation. Mais pourtant, si vous souhaitez faire mettre quelque chose en place, c'est oui, oui. Après, effectivement, bah, vous jalousez, d'accord? Mais c'est un grand oui. Parce que là, vous avez marre, vous avez besoin de sortir de votre routine. Vous avez envie de progresser. Vous avez besoin de reprendre votre plein d'énergie. Vous gardez énormément de secrets en vous. Parce qu'elles sont combien de la jalousie. Gardez-moi ces secrets, parce qu'elles sont derrière le secret. Il y a pour vous le grand succès. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on va prendre celui-là en 9 cartes. Ouais, pour l'instant, vous êtes dans une décision, vous avez un choix à prendre, une direction. Beaucoup de possibilités arrivent pour vous. Ouais. Vous attendez quelque chose, vous attendez une signature, vous attendez un acte de quelque chose pour retrouver votre stabilité. Vous restez dans la persévérance. Hein. Je vois un écrit que vous attendez. Hein. Je vois un écrit que vous attendez. Ouais. Parce que vous voulez la nouveauté, hein. Vous voulez réellement de la nouveauté. Vous voulez surtout une sécurité aussi. Hein. Vous voulez un nouvel enracinement. Les choses vont bouger, vous partez sur une évolution, vous partez sur une renaissance, aussi sentimentalement. Sentimentalement, vous avez compris qu'on vous avait manipulé aussi. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a un déménagement qui arrive. On me dit que vous avez vraiment de capacité. Là, vous avez tenté un coup de poker. On me dit que le changement, il est pour vous. Il y a énormément de possibilités. D'accord, afin que vous puissiez retrouver un épanouissement, un vrai épanouissement. Mais là, vous attendez les nouvelles. Et ces nouvelles, elles n'arrivent pas aussi vite que vous voulez. Donc, tout cela vous stresse. Tout cela vous stresse. C'est bon, ça marche. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et on m'a dit, attention, ça peut bloquer la vidéo. J'espère pas. Tout cela vous stresse. On me dit, vous protégez vos finances, vous protégez aussi. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive, restez positif. Les choses arrivent en lenteur, ça c'est clair, mais les choses vont quand même bouger. Ouais. Vous allez atteindre vos objectifs de toute façon. Et c'est vraiment un papier administratif que vous attendez. C'est une obligation. C'est une chance pour vous, une opportunité. Le grand bonheur va arriver. Ça va vous faire du bien. Vous allez fêter quelque chose. Parce que vous avez appris la patience, ce qui est compliqué, la patience. Mais vous avez appris la patience, vous avez appris la sagesse. Et là, il y a une solution qui arrive avec une grande libération. Il y a une indépendance qui revient vers vous. Vous reprenez votre indépendance par rapport aux affaires, par rapport au sentimental, tout rentre dans l'ordre. Malgré tous les obstacles que vous avez déjà vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses qui avaient été dissimulées, que vous n'aviez pas vues. On vous a menti sur beaucoup de choses. Ce qui a fait des conflits, des débats, des colères. Et là, vous partiez sur une renaissance. Vous étiez juste en période de transition pour comprendre énormément de choses. Vous n'aviez pas encore compris. Allez. Nous allons partir avec celui-ci. Le chagrin, la peine. Ah, tout s'effondre. C'est rapide. Tout est rapide. On dit que vous avez besoin de reprendre votre énergie. Et là, vous êtes dans le mode protection absolue. Vous avez besoin de faire un grand ménage autour de vous. On parle du consultant
femme ou homme, afin de reprendre votre sérénité. Au niveau sentimental, vous avez un choix à faire. Au niveau sentimental, vous avez un choix à faire. Vous êtes en train de comprendre énormément de choses, surtout. Peut-être que dans ce choix sentimental, vous comprenez qu'il y a une transformation pour sortir de votre chagrin et vous comprenez de l'autre côté qu'il y a un ennemi qui est là. On vous dit qu'en tout cas, cette compréhension vous amène sur une énorme chance. Enfin, attention à la ruse de quelqu'un, à la ruse d'un ami qui est un faux ami. Ouais, il y a des choses qui vont prendre feu avec un ami. Heureusement, vous êtes entouré par les anges, par les guides. On me dit que vous allez énormément communiquer avec eux. On me dit que vous avez été complètement naïf. Pour certains ou certaines, il y a eu de la magie qui a été faite contre vous. Bien sûr, c'est le mauvais œil. Hein. Je vais vous faire un dessin. Hein. Au sein de votre foyer. À la lune. Ça... Parce que les personnes qui font du mal aux autres, c'est toujours à la lune. Hein. C'est encore plus puissant. Heureusement, vous avez une petite bougie. Les anges vont vous accompagner. Une personne plus âgée que vous va vous aider à retrouver votre stabilité pour partir sur une renaissance. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est mort. On vous manipule. On vous manipule. On n'arrête pas de vous manipuler. Ça, c'est un grand oui. On n'arrête pas de vous manipuler. Par rapport à une alliance. On me dit que vous allez guérir. On me dit que vous allez partir sur autre chose. Mais on me dit que là, vous voyez trouble. Mais il est temps de partir sur autre chose. Il est temps d'y aller rapidement. Rapidement afin de couper quelque chose d'important pour vous. Afin de partir sur cette transformation. Cette transformation qui vous manque tellement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous mange et qui vous dévore à l'intérieur. Vous allez trouver une solution pour sortir. Dans ce cloître qu'on vous a mis, dans cet emprisonnement qu'on vous a mis. Heureusement, vous avez votre bonne étoile. Heureusement, il y a quelque chose qui va arriver. Heureusement, vous allez pouvoir tourner le dos à quelqu'un et reprendre votre indépendance, réellement. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Les nouvelles qui vont arriver, ça sera une grande victoire. Vous allez enfin pouvoir retrouver votre équilibre. Après avoir vécu énormément de difficultés, vous allez partir sur une élévation. La chouette est là pour vous, donc la chance vous accompagne, la force est là. Et tout redevient normal. Waouh! Allô, quoi. Allez, nous allons finir avec un oracle sentimental. Donc, nous allons faire, on va essayer de faire 3 messages avec l'améthyste. D'accord? Allez, on y va. Allez. Un message pour cette semaine du 24 au 29, s'il vous plaît. On me parle d'une personne fausse, attention. Une personne qui vous ment. Et en plus... Cette personne vous ment, mais en tout cas, elle ne fait rien pour que vous voyez qu'elle vous ment. C'est une personne qui est très chaleureuse ou chaleureux. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous soyez avec quelqu'un. Donc, on a bien de la jalousie. Okay. Pour certains ou certaines, vous allez partir d'une situation qui est triangulaire. Parce que tout simplement, vous allez laisser quelqu'un. Parce que qui est en triangulaire? Peut-être vous ou peut-être l'autre. En tout cas, vous allez laisser quelqu'un ou l'autre va laisser quelqu'un. Peut-être que vous allez laisser tous les deux quelqu'un, je ne sais pas, pour vous mettre ensemble. D'accord? Parce qu'on me parle d'un déménagement. En tout cas, parce qu'on me dit que vous êtes accompagné de votre âme sœur et on me dit qu'il y a un énorme coup de foudre. Et peut-être, du coup, la fausse personne, c'est la tierce. Hein? On dit que pour l'instant, vous restez patient. Vous êtes dans l'attente de beaucoup de choses. Mmh.
Là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre très importante. Hein. Va falloir envoyer un message secret par rapport à une liaison secrète hein, pour certains ou certaines. Hein. Mais pour l'instant, vous avez besoin de guérir aussi. Hein. Oui. Peut-être que au moment où vous allez dire à l'autre, je quitte, je lui dis n'importe quoi, mon chéri ou ma chérie, eh ben l'autre, silence radio, plus de dialogue. Et moi, je voulais pas que tu aies pas, je voulais pas que tu quittes l'autre parce que moi, je suis pas prêt à quitter quelqu'un. Hein? Ou alors, moi, je préfère que ça soit éphémère entre nous. Ouais, c'était cool. Mais non, je te demande pas de quitter ton mari ou ta femme. Hmm. Mais en tout cas, tout cela me dit que vous devez tourner la page. Laissez-moi cette personne de côté. De toute façon, c'est une personne fausse. Premier message qui est assez carré. Hein. Pas de cacher. Hein. Ouh là là. Allez, deuxième message. Bon, alors pour certains, je ne vais pas vous le cacher, c'est clair, net et précis, c'est pareil. On me dit qu'elle soit une balance, un scorpion ou un sagittaire. Bon, après, vous ne regardez pas les signes, ce n'est pas un problème. Hein. On me dit que là, vous avez fait une longue période, ça peut être vous, hein, vous avez fait une longue période de lâcher prise. Et on me dit que l'amour véritable arrive. Une affection, un amour inconditionnel. On me dit que c'est un grand succès. Tous les espoirs vont pouvoir être permis. On me dit que là, vous allez pouvoir enfin sortir de votre colère. Par rapport à des ressentis que vous aviez. Peut-être que vous aviez peur aussi sur certaines choses. Peut-être que vous avez... chat échaudé, crâne ou froide. Hein. Peut-être que vous avez été échaudé par rapport aux réseaux sociaux aussi. Et c'est pour ça que vous avez repris votre indépendance à un moment donné. Mais on me dit que là, il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Une personne qui va guérir vos blessures. Parce que vous avez toujours eu l'impression d'être rejeté dans votre vie. On me dit que là, vous allez recevoir un message. Je pense à toi. Ça sera amical. Peut-être qu'il y a une amie. Je suis désolée. Je monte les cartes. Peut-être qu'il y a une amie qui va vous dire, une amie que vous aimez bien, d'accord? Amour inconditionnel par rapport à sa maman, l'éloignement de sa maman, les épreuves. Je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure, il y a peut-être un décès quelque part. Hein. Bah oui, il y a un décès, c'est sûr, parce que je vois le fantôme, donc c'est un décès. Bah, en plus, je vois le décès, je vois le fantôme et l'élévation. Donc, cette personne qui est décédée est montée. Je vais les aider à avancer un décès, moi. Ok, un prêt. Bon. C'est pas cool. J'espère que ça ne parlera à personne, surtout. Allez, on y va avec celui-ci. Je t'aime. Allons-y. Attention à une personne, soyez prudent par rapport, ne tombez pas dans un piège sur une personne qui est dans l'addiction, qui vous dit je t'aime, qui est dans la dépendance en tout genre. C'est une personne qui est complètement superficielle, alors que vous, vous avez besoin de stabilité et de fidélité. Vous allez vite vous séparer de cette personne qui est dans l'addiction et dans la dépendance. Vous allez vite vous en rendre compte. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte parce que vous êtes devenu froid ou froide, malgré que c'était au niveau... Je vais pas vous faire des... Au niveau sexe, c'était waouh, bouillant, hein, d'accord? Mais peut-être que cette personne vous a harcelé en disant oui, je veux te revoir, je veux te voir. Et vous, non, c'était pas possible. Vous êtes parti sur une séparation avec cette personne pour partir sur une renaissance. C'est quelqu'un du passé hein, qui revient vers vous, hein, qui est comme ça. Hein. Alors, on parle que cette personne a un mauvais karma en plus. Hein. On me dit qu'il est temps de vous libérer d'un passé, de sortir de vos remords. On me dit que la lune va énormément vous inspirer. On me dit que vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Par rapport à un match que vous avez pu faire avec quelqu'un, là c'est le burn-out total pour vous. Malgré que c'était magique à la base. Malgré que vous étiez heureux ou heureuse à la base.
la personne portait un masque. J'ai rien pour les célibataires, hein, je crois pas. Hein. Non, on n'a rien stop là. Il y a un break, il y a un stop. Amour éphémère, amour passager, c'est que du flirt pour du flirt. Hein. Ça peut être pour un bélier, taureau ou gémeaux. Là, vous vous êtes senti traumatisé, traumatisé d'abandon. Alors que vous aviez besoin que cette personne soit là. Vous attendiez ce retour, mais cette personne est restée superficielle. Et vous répétez les mêmes schémas, et ça vous énerve. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et vous avez toujours un traumatisme de trahison en permanence. Quand ça va être le bon timing? Ouais, non, mais, je sais pas qui joue avec vous, mais quand ça sera le bon timing, tu me manques. J'ai pas pu te répondre avant, tu me manques. Mais c'est vraiment une relation instable. Une fois c'est on, une fois c'est off. Une fois c'est on, une fois c'est off. Traumatisme d'humiliation, on n'est pas là quand vous le souhaitez. D'accord? On me dit que vous allez avoir un déclic. Un événement rapide va arriver pour vous. Et là, c'est grand, grandement la grande transformation. Et vous allez voir réellement que la personne qui vous attirait, c'est une personne toxique. Et cette personne n'était pas pour vous. Parce que cette personne avait toujours une famille. Il est temps de reprendre votre main, votre vie en main. Le problème, c'est que là, vous êtes en train de prendre un recul nécessaire pour vous, sachant que vous êtes en pleine interrogation et en pleine confusion. Il est temps de tourner la page. Il est temps de guérir cette personne. Vous avez un choix à faire. Cette personne, elle vous a caché qu'elle était avec quelqu'un. Pour essayer la terre, je suis vraiment désolée, j'ai rien. Donc, c'est pas grave, hein, vous attendrez votre signe du mois de mars pour savoir. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous. Bye, bye.